Nous venons de recevoir avec beaucoup de plaisir Monsieur le ministre Djelic, qui m'avait reçu à Belgrade il y a quelque temps. La position de la France, lorsqu'elle était à Belgrade, était sans ambiguïté. Elle est toujours sans ambiguïté. La France est favorable à l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne et à qu'elle passe avec succès le statut de candidat. La France insistait à Belgrade sur la nécessité de reprise du dialogue avec Pristina. C'est chose faite et c'est donc l'élément positif que nous attendions et nous saluons l'ensemble des efforts qui sont effectués par Belgrade dans ce sens. Bien sûr, je ne peux passer sous silence les événements dramatiques qui se sont déroulés au Kosovo Nord et en particulier aux tirs qu'ont essuyés les forces de la KFOR. Nous appelons l'ensemble des responsables politiques serbes pour jouer de leur influence positive sur l'apaisement de ce conflit. Et nous saluons positivement l'appel du président au démantèlement des barricades. La France, compte tenu de tous les éléments que je viens de vous donner, votera favorablement pour que la Serbie ait le statut de candidat. Alors d'abord, je voudrais remercier le ministre Leonetti pour son hospitalité ainsi que son équipe et pour dire qu'aujourd'hui, nous avons reçu un soutien clair du côté de la France pour l'obtention d'un statut de candidat pour notre pays. Ce soutien est essentiel vu l'importance de la France dans les cercles européens et mondiaux et je pense qu'il augure bien du dénouement de la réunion des États du 9 décembre prochain. Pour ce qui est de la Serbie, ce soutien est aussi une responsabilité. Avant tout, la responsabilité pour faire en sorte à ce qu'il y ait la paix et la stabilité au nord du Kosovo. Il est évident que pour la France, les États européens et aussi pour notre pays, il est difficile de discuter, de négocier lorsqu'il y a un danger pour les civils et pour les soldats de la MINUC et les responsables d'OLEX. La Serbie, par la voix de son président avant-hier, a appelé au démantèlement des barricades. Aujourd'hui, nous avons entendu à Paris l'appel pour tous les politiciens serbes, à la fois de la position et de l'opposition, pour soutenir cet appel afin que les conditions nécessaires pour l'avancée des discussions avec Pristina et aussi le futur de notre pays tout entier soit assuré. Par ailleurs, à l'heure où l'on parle, le round de négociation, le 8e, est en train de se dérouler et la Serbie fait de son mieux pour pouvoir aboutir à un accord sur le passage intégré dans le nord du Kosovo. Nous allons essayer de faire en sorte à ce que la représentation régionale des Kosovars soit aussi assurée en respect de notre constitution. Et enfin, le gouvernement serbe, hier, a adopté un décret qui a institué une nouvelle entité qui pourra proposer directement au gouvernement et ainsi assurer la bonne coordination et la mise en place de tous les accords qui auront été actés dans le dialogue avec Pristina. Avec ces avancées, avec cette stabilité, avec cette sécurité qu'il s'agit d'assurer, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien de la France, car nous savons qu'elle sera essentielle pour un dénouement positif pour notre pays le 9 décembre, qui sera alors un moment important sur la voie européenne de la Serbie et de la région tout entière. Merci.